Le choix de former tous les collaborateurs à la fresque du climat n'est pas anodin. L'idée qui se cache derrière, c'est de faire en sorte que demain, on puisse avoir en interne des formateurs qui puissent eux-mêmes former ensuite les étudiants ou les nouveaux salariés qui entrent dans l'école. Donc il y a un principe d'acculturation qui est très important sur ces enjeux. Et l'idée de ne former par exemple qu'une communauté d'étudiants serait largement partielle et ne permettrait pas d'avoir une cohérence d'ensemble en phase avec le plan stratégique ECOS 2025.